sei styksin, parvekkeen kaiteella. Alla maailma, jonne et tahdo palata. Suurin ongelma on, ettei ole ongelmaa. Tarpeeksi soha, joka allen sinut musertaa. Me kylisen reunan ja asetut roikkumaan niin. Et ainoa mitä tehdä pitää, on pitää kiinni. Learn French, learn today, learn for free, learn your way. Learn French with Vincent, let's go, the best French teacher on the low. Learn French, learn today, learn for free, learn your way. Learn French with Vincent, let's go, the best French teacher on the low. Learning French is simple and free. Learn French with Vincent, A to Z. Easy, fun, 1, 2, 3. Subscribe to the channel to support me. Students all around the world learning fast. Young to old, I am the best. Learning French is simple and free. Learn French with Vincent, A to Z. Learn French with Vincent today. Eh ben voilà, c'est la 100e, youhou. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va pas trop mal, je dois dire, ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire, mais ça pourrait être mieux, voilà. J'espère que vous allez bien, et donc je vais dire bonjour à tout le monde comme d'habitude. Qui est-ce qu'il y a? Upasana est là, futur Reino est là, Sundar est avec nous, Anas aussi, Béatrice Christiana est là, Jacob ou Yacoub, je ne sais pas comment prononcer, Victoria Jacques est avec nous, Yossi est là, Bickert aussi, Cosmina Bilou est là, Ritem est là, Victoria Posse est là, ah ça y est, elle est revenue, Marty est là, Save the Best est avec nous, Sandra, ouais il y a du monde, Julia aussi, MNM19, bah écoutez, Souria est là aussi, Daria est là, Maria Fernandez, Irène, Wyrin, Leila, Vinetta. Bah écoutez, je pense que je vais oublier des gens, mais en tout cas Rory est là aussi. Bah écoutez, ça fait plaisir. Donc, effectivement, comme je vous l'avais dit hier, c'est la 100e, tout simplement. Depuis que le Covid est arrivé et que j'avais décidé de faire des émissions directes, eh ben voilà, c'est la 100e. Donc ça va être une émission normale, hein, c'est pas vraiment quelque chose de spécial. Donc on va faire les exercices habituels. Comme en ce moment, l'idée c'est de faire plutôt des choses qui sont en relation avec le cinéma. On va continuer comme hier. Et bien sûr, nous allons commencer avec la première rubrique. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait des progrès en français avec moi? Les personnes qui ont suivi les cours, je ne sais pas depuis combien de temps, je sais qu'il y a des personnes qui sont là depuis assez longtemps et même depuis le début. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait des progrès? Et si oui, à votre avis, quel type de progrès vous avez fait? Allez, une petite minute. We'll be right back.
on attaque directement. Joussara Carla qui nous dit bonjour, c'est la première fois que je regarde votre chaîne. Donc, Joussara Carla, vous ne pouvez pas répondre à cette question, mais c'est pas grave. Alors, Kittle Kittle qui se jette à l'eau pour dire je suis mieux avec les compétences orales en général, notamment les expressions. Je te kiffe grave, monsieur. Attention, Kittle Kittle, kiffer, on avait vu, on l'écrit correctement, K-I-F-F-E. Merci, mais Kittle Kittle, moi aussi, je vous kiffe grave. Julia, j'avais fait des progrès, et en sentiment, c'est sûr. Donc, c'est le sentiment d'avoir fait des progrès ou c'est les progrès en sentiment? Yesero, oui, je suis ton cours de français depuis 2016 quand j'ai trouvé les vidéos en ligne. Je pense que ma compréhension en grammaire est meilleure grâce à toi. Eh bien, écoutez, ça fait plaisir, Yesero. Si vous avez progressé, c'est le principal. Maria Fernandez qui dit oui beaucoup. Eh bien, très bien. Futur Reino, j'ai fait des progrès en français avec vous, c'est génial. Vous avez... Alors très bien, mais il faudrait me dire, hein, il faudrait me donner les détails, c'est-à-dire vous avez le sentiment dans quel domaine, c'est ça qui m'intéresse moi. Victoria Possé, oui j'ai fait beaucoup de progrès en phonétique, les verbes, je comprends mieux quand j'écoute les discours donc télévisés. Ouais, et puis aussi Victoria Possé, vous écrivez mieux, hein. Clairement, moi j'ai vu la progression quand même. Sundar, oui, je progresse beaucoup quand j'ai trouvé la chaîne. D'accord. Rory, non. Mais je ne suis pas un bon étudiant. Rory, avec mon fils, on va commencer à faire des vidéos de Fortnite juste pour vous. Rory, juste pour vous, on va faire du Fortnite en français. Mon fils va jouer et moi je vais commenter si vous voulez. Daria, grâce à vous j'ai appris des expressions idiomatiques du français familier. Ça je ne sais pas si c'est bien. La conjugaison des verbes, des citations et l'information sur la France. Vous m'avez aidé énormément. Bon écoutez, c'est mon plaisir. Victoria, je vous en prie. Ensuite, alors attendez, Ice Cubes, oui, je peux comprendre ce que tu racontes 100% et je peux participer à la conversation des autres en français. Voilà, et ça c'était l'objectif, hein, Ice Cubes. Si ça marche, eh ben c'est super. Jacobou Yacoub, oui, j'apprends par exemple les formes des verbes. Très bien. Ritem, avec vous, je comprends les nouveaux mots et phrases. Aussi, c'est les exercices sonores qui m'aident beaucoup. Mais je voudrais améliorer la prononciation. Ouais, alors ça, c'est toujours difficile dans ce type d'interaction. Il faut avoir quelque chose de différent. Peut-être, et c'est mon projet, de recommencer les cours Zoom bientôt, mais pas tout de suite, mais bientôt, on va faire du Zoom comme on avait fait avant. MNM19, oui, grâce à vos leçons, maintenant j'ai le courage de parler, d'écrire et même de comprendre cette jolie langue. Ben, très bien. Sapna, oui, un énorme progrès maintenant et je peux facilement comprendre des choses que j'entends. Un grand merci, mais je vous en prie. Bikert, je suis... Ah, hop, pardon, je vous ai perdu, Bikert. Je suis beaucoup plus heureuse avec vous, donc je vous remercie pour les leçons. Je me sens heureuse. Ben, très bien, mais... et c'est important d'être heureux dans la vie. Cosmina Bellou, oui, vraiment, parce que vous m'avez obligé à penser en français, lire et écouter en français, comme j'avais l'habitude de le faire, donc qui sont des activités passives en général, oui. Là, c'est assez interactif et c'est pas mal. Yossi, oui, j'ai le sentiment d'avoir fait un peu de progrès. On commence à comprendre la prononciation parce que nous entendons comment prononcer les lettres avec les dictées et les... toutes les tortures que j'avais trouvées. Cosmina, avec vous, c'est un style actif. Oui, c'est, bah, on est obligé d'être actif. Hein. Souria, oui, je progresse, je connais quelques expressions. Très bien. Ice Cubes qui dit, mais je fais encore des erreurs quand j'écris, ça c'est normal. C'est normal. Maria Bethania, oui, j'apprends toujours avec vous, je suis enchantée. Ben, écoutez, c'est bien. Irène, oui, j'ai fait des progrès en lecture et en compréhension. Rajni, bien sûr, sans doute, il y avait quelques jours et j'adore venir ici et pratiquer le français avec vous. Votre accent français m'aide à comprendre ce que les Français disent à la télé. Oui, alors Rajni, officiellement,
officiellement rajeuni. Je viens d'une région en France qui est considérée par l'Académie française comme étant sans accent. Alors après, si vous discutez avec les personnes d'autres régions, ils vont dire peut-être que j'ai un accent, mais officiellement, l'Académie française considère que je n'ai pas d'accent. Patricia, bonjour. Roman nous dit oui, bien sûr, parce que donc j'ai... Ah oui, donc vous avez travaillé les phrases, effectivement. Barty qui dit « Oui, je pense que j'ai fait beaucoup de progrès avec vous. J'ai gagné la confiance, maintenant je peux facilement écrire des phrases. » Victoria Jacques qui nous dit « Oui, je vous suis reconnaissant d'avoir fait cela. Vous êtes mon professeur préféré. » Oh là 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 là, c'est formidable, merci. « Save the best, bien sûr, parce que je me suis éloigné de cette langue pendant des années. » Et grâce à vous, j'ai recommencé à l'apprendre. Bah écoutez, ça me fait plaisir si ça vous donne la possibilité de pratiquer. Et ça, ça serait... Alors attendez, je regarde Linda qui dit « C'est la première fois que je regarde votre chaîne. » Bienvenue Nina, Linda. Et puis Leïla qui nous dit « J'ai beaucoup progressé en français et vos vidéos sont également très utiles. » Bah écoutez, ça me fait plaisir. Sundar, je comprends les textos, mais je fais des erreurs quand... j'écris. Ça, c'est normal, Sundar. Il faut être patient. Ne vous inquiétez pas. Alors, bah, écoutez, on va faire le film du jour. Et le film du jour, c'est « La nuit venue ». Donc, vous connaissez peut-être le format. Pour les personnes qui sont nouvelles, eh bien je vais lire une présentation de l'histoire de ce film en trois points et vous écrivez les mots qui manquent. Et comme d'habitude, je dois cliquer pour voilà, que je puisse voir mieux. On y va pour la première chose. Yin est un jeune sans papier. Et il est chauffeur de VTC. Il est victime de la mafia chinoise depuis son arrivée en France. Yin est un jeune sans papier et il est un chauffeur de VTC. Il est victime de la mafia chinoise depuis son arrivée en France. Écrivez les mots qui manquent. Eh bien écoutez, c'est un cours normal. Un cours normal, c'est toujours un cours avec des problèmes techniques. Donc on va recommencer comme si tout était normal. Regardez, c'est le film du jour et je vais vous relire les choses et vous allez les écrire. On va imaginer que finalement, il n'y a pas eu de problème technique. Mais c'est difficile à oublier. Allez, on y va. Yin est un jeune sans papier et il est un chauffeur de VTC. Il est victime de la mafia chinoise depuis son arrivée en France. Yin est un jeune sans papier et il est un chauffeur de VTC. Il est victime de la mafia chinoise depuis son arrivée en France.
Alors, on regarde maintenant. Trois choses à trouver, comme d'habitude. La première chose, donc, c'était un substantif. C'est papier. Alors là, c'est intéressant parce que quand on utilise l'expression papier dans ce contexte, c'est-à-dire papier d'identité, papier officiel, on met ça au pluriel. Sans papier, avec un S. Hein. Faites bien attention, puisque on le met au pluriel quand on parle des papiers d'identité. Le deuxième mot à trouver, c'était mafia. La mafia, bon ben ça c'est pas trop problématique pour l'écriture, hein. M-A-F-I-A. Et alors faites attention pour la dernière chose, c'est un substantif, c'est un nom, et c'est une arrivée. Alors là, on n'a pas l'article, mais c'est quelque chose qui est féminin. A-R-R-I-V-E, accent aigu, E. D'accord ? Donc, trois choses, voilà ce qu'on avait. Et je repense au problème technique, et je réalisais que peut-être il y a eu 10 émissions sans problème technique. Et c'est bizarre. Normalement, il y a toujours un problème. Donc voilà, nous retrouvons les traditions. On continue avec la deuxième chose. Il est sur le point de solder sa dette en multipliant les heures de conduite pour pouvoir devenir DJ. Il est sur le point de solder sa dette en multipliant les heures de conduite pour pouvoir redevenir DJ. Alors ici, on est à la recherche, encore une fois, de trois choses. Faites attention, parce que la première chose, eh bien, c'est un verbe, oui, mais c'est un verbe à l'infinitif. Il est sur le point de solder. Là, vous devez le mettre à l'infinitif. Donc, S-O-L-D-E-R. Solder sa dette voudrait dire qu'il rembourse, qu'il paye sa dette intégralement, il finalise sa dette. Ensuite, la deuxième chose, eh bien, c'est un participe présent que nous cherchons, multipliant, en multipliant, donc c'est un gérondif, hein, le « en » plus participe présent, ça nous donne un gérondif. M-U-L-T-I-P-L-I-A-N. Multipliant. Et puis la dernière chose, regardez la dernière chose, et eh bien c'était redevenir. Redevenir, ben ici c'est tout simplement devenir à nouveau, donc le verbe à l'infinitif, et on l'écrit R-E-D-E-V-E-N-I-R. Et bien voilà, donc ça c'était les trois choses à trouver. Kitol qui demande qu'est-ce que c'est un DJ. C'est ce qu'on appelle un disque jockey. C'est quelqu'un qui met de la musique dans les clubs ou dans les boîtes. Troisième chose, je vais vous lire, bien sûr, le troisième point. Une nuit, Naomi monte à bord de sa berline, intriguée par Yin. Et sa musique, elle lui propose d'être son chauffeur pour ses virées. Une nuit,
Naomi monte à bord de sa berline. Intriguée par Yin et sa musique, elle lui propose d'être son chauffeur pour sévirer. Écrivez les mots qui manquent. Alors, la première chose que nous avons essayé de trouver ici, c'était le verbe monter. Le verbe monter, verbe régulier du premier groupe, qu'on va ici conjuguer à la troisième personne du singulier, puisque c'est Naomi. Donc, elle monte, M-O-N-T-E. Ensuite, c'est un adjectif. Intriguée, c'est quand vous êtes un petit peu, vous êtes curieuse, hein, parce que quelque chose vous intrigue, quelque chose vous intéresse. Et donc ici, intriguée, on va l'écrire I-N-T-R-I-G-U-E accent aigu, et nous marquons le féminin E. Hein, puisqu'ici, intriguée, ça fait référence à Naomi. Naomi est intriguée par Yin. Elle est intéressée, elle est curieuse, elle veut savoir plus de choses sur Yin. Et la dernière chose, c'est un substantif et c'est chauffeur. Chauffeur, donc c'est masculin, et on l'écrit C-H-A-U. F-F-E-U-R. Alors attention, chauffeur, hein, Sapna, E-U-R. Je regarde les autres. Faites attention, Berilla 71. Chauffeur, c'est C-H-A-U. Hein. Laura Z, même chose. C-H-A-U. D'accord ? Et là, ce sera parfait. Victoria Jacques, attention, c'était chauffeur. Hein, E-U-R à la fin. Allez, s'il vous plaît, vous savez que nous lisons ensemble les trois choses à la fin. Donc, fermez les portes, fermez les fenêtres et lisez à haute voix avec moi. Première chose. Yin est un jeune sans papier et il est chauffeur de VTC. Il est victime de la mafia chinoise depuis son arrivée en France. Deuxième chose. Il est sur le point de solder sa dette en multipliant les heures de conduite pour pouvoir redevenir DJ. Troisième chose. Une nuit, Naomi monte à bord de sa berline. Intriguée par Yin et sa musique, elle lui propose d'être son chauffeur pour sévirer. Allez, on continue ce que nous avons commencé hier et c'est le portrait chinois. Regardez le portrait chinois et là, si j'étais un mot, je serais parce que. Donc dites-moi, si vous étiez un mot, quel mot seriez-vous ? Et bien sûr, une petite explication parce que. D'accord ? Allez, vous avez une petite minute. We'll be right back.
Et c'est Bickert qui commence et qui nous dit « Si j'étais un mot, je serais bonheur, parce que tout le monde doit être toujours heureux. » Eh bien, ça, c'est vrai. Béatrice Christiana qui nous dit « Si j'étais un mot, je serais l'amitié. » Parce que c'est une chose que je trouve si importante et précieuse. Très bien écrit. Kittle, Kittle, si j'étais un mot, je serais la... Est-ce que c'est le défi? Faites attention, Kittle, Kittle. Le défi, parce que je n'accepte jamais l'idée de l'impossible. Oui, un défi, hein, faites attention. Et pas de E à la fin. Victoria Possé, si j'étais un mot, je serais le mot... muette, parce que qu'à chaque fois je parle moins, vous parlez de moins en moins. Alors, Yousara Carla qui nous dit si j'étais un mot, je serais détermination, parce que je veux, VEX, devenir polyglotte et j'ai commencé tard. Oh, il n'est jamais trop tard, jamais trop tard. Yossi, si j'étais un mot, je serais beaucoup. Parce qu'on utilise beaucoup ce mot. Donc vous voulez être populaire et utiliser fréquemment. Sapna, si j'étais un mot, je serais sourire. Parce que les gens parlent de ce mot et ils seraient contents. Oui, c'est vrai. Julia, si j'étais un mot, je serais Y. Parce que c'est un mot profond et je suis déjà Y dans un sens. Ah, la génération. Ritem, si j'étais un mot, je serais la musique, peut-être, parce que je m'appelle Ritem et j'aime chanter et écouter des chansons dans toutes les langues. Daria, si j'étais un mot, je serais aide, parce que j'aime beaucoup aider, ça me rend heureuse et satisfaite. Irène, si j'étais un mot, je serais bonheur, parce que tout le monde a besoin de bonheur. Yacoub, si j'étais un mot, je serais l'éducation, parce que tout le monde apprend avec le plaisir. Coli, qui nous dit « je serais le mot triste », mais non mais non, c'est vrai, mais il faut pas être triste. Rory, si j'étais un mot, je serais coucou, parce que je voudrais que tout le monde soit mes amis. Mais c'est sympathique ça. Et le mot coucou est vraiment sympathique. Coucou, comme ça, il y a un petit côté amusant. Cosmina Bellou, si j'étais un mot, je serais honnêteté, parce que je ne sais pas si je suis bonne, gentille ou intelligente, mais je suis sûr que dans mon travail, j'ai toujours été honnête. J'ai rajouté le toujours, Cosmina Bellou, pour rajouter encore plus de profondeur à cette chose. Ridi Batia, si j'étais un mot, je serais la musique. Parce qu'on est tous entourés par la musique et elle nous détend de superflu, ça c'est vrai. Barty, si j'étais un mot, je serais intelligente. Parce que c'est très utile pour réussir dans la vie, c'est vrai. Rajni, si j'étais un mot, je serais, la joie. Je remplirais les vies des autres avec plein de joie, de bonheur quand on m'appelle. Alors ça, c'est sympathique. Sundar, si j'étais un mot, je serais l'air, parce que j'aime devenir, est-ce que c'est j'aime prendre l'air? Yesero, si j'étais un mot, je serais fort, parce que je peux aider les gens. Ice Cubes, si j'étais un mot, je serais étoile, parce que j'aime la phonétique wa-wa-wa et la signification d'étoile. Ah, vous avez beaucoup de mots en wa, moi, roi, foi, enfin, etc. Morteza, si j'étais un mot, je serais seul, parce que pour le moment, j'aime la solitude. Mais parfois, c'est bien. Parfois, la solitude, c'est pas mal. Souria, si j'étais un mot, je serais le soleil, parce qu'il brille sur la terre et tous et sur les hommes. Yousara m'a offert un café. Merci, Carla Yousara, c'est très gentil. Merci, merci pour le café. Fancy Skate, si j'étais un mot, je serais l'amour, parce qu'il y a vraiment un manque d'amour, c'est vrai. Save the Best, si j'étais un mot, je serais la patience, parce que je suis très patient. Eh bien, ça, c'est bien, c'est une bonne qualité. Je regarde les autres. Maria Bethania, si j'étais un mot, je serais le mot vie, parce que j'aime la vie. Monica, bonjour. Swati, si j'étais un mot, je serais belle, parce que je suis très belle.
Et très modeste. Ah, mais c'est bien, il faut être sûr de soi dans la vie, je pense. Oh, Cosmina Bellou qui m'offre un café. Non, c'est pas un café. Oh, c'est un fast food. Ah ben bravo, bravo, bravo. Alors Patricia qui a des problèmes pour cliquer sur le... Ah ben il faut peut-être cliquer plus fort, Patricia. Allez, on attaque avec le film, c'est Le sel des larmes. Ça ressemble vraiment à un film très typique, très typiquement français. Allez, on attaque directement avec la première chose. Regardez. C'est l'histoire de Luc, un jeune homme de province qui monte à Paris pour passer le concours d'entrée de l'école Boulle. C'est l'histoire de Luc, un jeune homme de province, qui monte à Paris pour passer le concours d'entrée de l'école Boulle. Alors ici encore trois choses comme d'habitude, regardez. On a déjà eu l'occasion de voir ces deux mots. Vous savez la proximité entre province que nous avons ici et Provence. La seule différence c'est dans la nasale. Donc province, la version que nous avons ici, I-N. C'est tout le reste de la France, mais pas Paris. Quelqu'un m'a insulté. Incroyable, les gens sont intéressants. Et l'autre mot, Provence, E-N, c'est le sud de la France. D'accord? Donc, province, I-N, toute la France, à l'exception de Paris, Provence, E-N, le sud de la France. Ici, c'était province, I-N. Ensuite, le verbe que nous cherchions, eh bien, c'était monter. Donc monter, verbe régulier. Et finalement, vous le conjuguez ici à la troisième personne du singulier. Et vous obtenez qui monte, M-O-N-T-E. Et puis le dernier mot, c'est un substantif. C'est un substantif et c'est le mot concours. Et le mot concours, il est un petit peu bizarre. Parce que le mot concours, il est avec un S au singulier. C'est-à-dire que déjà au singulier, vous avez le S. Et donc, si vous l'avez au pluriel, ce sera exactement la même forme. D'accord ? Donc, concours au singulier ou au pluriel, C-O-N-C-O-U-R-S. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'était les trois choses que nous devions trouver. L'école Boulle... Pour votre information, c'est une école qui est assez populaire et assez réputée pour le design
et toutes les choses qui sont liées au graphisme. Voilà. Allez, nous continuons avec la deuxième chose. Il rencontre Jamila dans la rue, avec qui il vit une aventure. De retour chez lui, il retrouve sa petite amie Geneviève. Il rencontre Jamila dans la rue, avec qui il vit une aventure. De retour chez lui, il retrouve sa petite amie Geneviève. Allez-y, écrivez les mots qui manquent. Toutes mes excuses, Cosmina Bellou. Je voulais cliquer sur cette personne qui est un petit peu désagréable et ça allait trop rapidement, donc je vous ai désactivé pour 5 minutes, mais c'était un accident. Toutes mes excuses, Cosmina Bellou. Alors, nous étions à la recherche de trois choses, comme d'habitude. La première chose, c'était le verbe vivre. Le verbe vivre, souvenez-vous, c'est un verbe du troisième groupe. Il est toujours un petit peu bizarre pour la conjugaison, en tout cas les premières personnes, puisque c'est je vis, V-I-S, tu vis, V-I-S, il vit, V-I-T. D'accord ? Et donc ici, c'est il vit, V-I-T. La deuxième chose, c'était un substantif et c'est une aventure. Ici, en général, ça n'est pas problématique et je regarde et vous l'avez bien écrit. Donc, on écrit ça A-V-E-N-T-U-R-E. Et puis, la troisième chose, eh bien, c'était le verbe retrouver. Et retrouver, ici c'est conjugué à la troisième personne du singulier, et donc c'est R-E-T-R-O-U-V-E, donc il retrouve. Oui, encore une fois, toutes mes excuses, Cosmina. Il y avait cette personne qui s'appelle Monica, qui écrivait beaucoup de choses, et comme ça allait très rapidement, j'ai voulu bien sûr cliquer pour calmer un petit peu cette personne, pour lui donner 5 minutes de réflexion, pour qu'elle puisse décider de se calmer. Et malheureusement, ça a été trop rapide, et votre nom est arrivé, et je vous ai bloqué, et je suis vraiment, vraiment désolé, Cosmina. Quelques minutes de patience, c'est 5 minutes, je crois. Donc, toutes mes excuses, vraiment. Vous avez le temps de prendre un café. Troisième chose, et nous allons finir avec ce film. Quand Luc est reçu à l'école Boulle, il part pour Paris et abandonne derrière lui Geneviève qui est enceinte. Quand Luc est reçu à l'école Boulle, il part pour Paris, qui est reçu, mon Dieu, pour Paris. Alors attendez, je suis complètement perdu. Et abandonne derrière lui Geneviève, qui est enceinte. Allez-y, écrivez les mots. Aujourd'hui, c'est incroyable.
Alors, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression avec ce cours que nous repartons au début, quand il y avait des problèmes techniques en permanence, que ça se bloquait, que ça ne marchait pas. Et c'est vraiment, vraiment très amusant. Bon, ne vous inquiétez pas, je suis là, tout va bien. Alors, nous étions ici à la recherche de trois choses. La première chose, eh bien, c'est un participe passé. Le verbe, c'est recevoir, et le participe passé, eh bien, c'est reçu. Idéalement, si vous avez une cédille, vous devez mettre la cédille, donc R-E, C-cédille, U. Ensuite, c'est le verbe abandonner. Alors là, le verbe abandonner, vous voyez que on le conjugue à la troisième personne du présent. Et donc, c'est il abandonne. Donc, on l'écrit A-B-A-N-D-O-N-N-E. Et la dernière chose, en fait, c'est enceinte. Souvenez-vous, enceinte, hein, c'est quelque chose qui est réservé aux femmes, puisque c'est quand vous attendez un enfant, vous êtes enceinte, on l'écrit E-N-C-E-I-N-T-E. Voilà. franchement, aujourd'hui, c'est incroyable. Mais bon, c'est comme ça, c'est la centième, tout est possible. Et surtout les problèmes techniques, j'espère que Cosmina Bellou ne m'en veut pas, j'ai très mauvaise conscience. Allez, s'il vous plaît, lecture avec moi. Première chose, c'est l'histoire de Luc, un jeune homme de province qui monte à Paris pour passer le concours d'entrée de l'école Boulle. Il rencontre Jemila dans la rue, avec qui il vit une aventure. De retour chez lui, il retrouve sa petite amie Geneviève. Troisième chose, quand Luc est reçu à l'école Boulle, il part pour Paris et abandonne derrière lui Geneviève qui est enceinte. Et tout le monde veut que Cosmina Bellou revienne. Revenez, revenez, et toutes mes excuses. Allez, on va continuer avec le portrait chinois. Si j'étais un style musical, je serais, et bien sûr, parce que. Donc, essayez de me dire, si vous étiez un style musical, quel style musical vous seriez et surtout pour quelle raison. Allez-y, une petite minute.
Alors effectivement, j'étais en train de regarder. Excusez-moi, je suis allé me servir un petit verre pour fêter ces choses-là et je suis de retour. Yousara Carla qui nous dit, si j'étais un style musical, je serais le tango parce que c'est passionné. Kittle Kittle, si j'étais un style musical, je serais de la pop musique parce que c'est cool, rapide et bien sur le style du roi du pop. Michael Jackson. Daria, si j'étais un style musical, je serais la soul parce que c'est mon style préféré. J'adore la soul music. Julia, si j'étais un style musical, je serais le jazz, peut-être parce que c'est romantique et chaque soir avec un verre de vin. Victoria Possé, si j'étais un style musical, je serais la valse pour danser tout le temps. Morteza, si j'étais un style musical, je serais le rap et je ne sais pas pourquoi. Bah c'est bien le rap, moi j'aime bien. Béatrice Christiana, si j'étais un style musical, je serais la musique classique parce que j'aime bien les choses de la culture et j'apprécie les choses complexes. Cosmina Bellou, si j'étais un style musical, je serais la valse parce que j'aime danser sur ce style de musique. Julia qui nous dit, ah, il n'y a pas de son. Oui, mais j'étais parti chercher un verre. Un verre de vin mousseux pour fêter la centième à la vôtre chin-chin. Yesero, si j'étais un style musical, je serais la musique classique parce que c'est calme. Fancy Skater, si j'étais un style musical, je serais le rap. Parce que j'écoute le rap, ça me donne beaucoup d'énergie, c'est vrai. Rhythm, si j'étais un style musical, je serais la pop. Parce qu'il y a différents rythmes dans la pop, effectivement. Alors attendez, je suis un petit peu perdu. Voilà. Souria, si j'étais un style musical, je serais une musique classique. Parce qu'elle est bien et ça aide à reposer. Rajni, si j'étais un style musical, je voudrais être une flûte. D'accord, juste une flûte alors. Irène, je serais du R&B. R&B, comme diraient les Français. Parce que ça donne un sentiment romantique et adapté pour entendre un jour pluvieux. Bickert, je serais de la musique classique. Morteza, c'est bizarre aujourd'hui. Non, c'est la centième, c'est normal. Il y a des problèmes techniques tout le temps. C'était comme ça au début, c'est que ça continue. Daniel, si j'étais un style musical, je serais la samba, parce que c'est heureux et joyeux. Eh bien écoutez, on continue. Danubio, je serais le punk, parce que je suis bizarre. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Ridi, si j'étais un style musical, je serais de la musique douce. D'accord? Et puis je vois les autres. Bah écoutez, c'est très très gentil en tout cas. Victoria Jacques qui nous dit je serai du R&B. Maria de Betania qui dit je serai de la musique du Brésil. Sundar de la musique romantique. Amira la musique classique. I just called du jazz. Cosmina qui dit la valse. Dans le palais des glaces. Ice Cubes, je serais de la musique classique instrumentale. Et Yossi qui nous dit, si j'étais un style musical, je serais de la musique romantique. Oh, vous pensez à Juliette Gréco. Eh oui, Juliette Gréco nous a quittés et ça, c'est triste. Et c'est le film du jour. En fait, je me suis dit, comme il y a des problèmes techniques, peut-être qu'il faut que je prenne du vin mousseux et ce sera plus facile à gérer. Nous allons voir si la partie avec le vin mousseux est moins problématique au niveau technique. Comme d'habitude, je vais vous lire trois choses et vous allez écrire les mots qui manquent. Le film s'appelle Été 85 et c'est un film d'un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle François Ozon, qui a fait vraiment des bons films. Première chose, c'est l'été des 16 ans du jeune Alexis. Il décide de faire une sortie en mer. C'est l'été des 16 ans du jeune Alexis, il décide de faire une sortie en mer.
Alors, nous étions à la recherche de trois choses ici. La première chose, eh bien, c'est un substantif, c'est l'été. Alors, l'été, c'est masculin, pour votre information, hein. Un été. Et c'est assez facile à écrire, hein, puisque c'est E accent aigu, T, E accent aigu. Ensuite, la deuxième chose, eh bien, c'était le verbe décider, verbe extrêmement régulier. Donc là, on le conjugue à la troisième personne du singulier, décide. Donc, D, E accent aigu, C, I, D, E. D'accord. Et puis la dernière chose, c'est un substantif et c'est sorti. Souvenez-vous que, alors c'est féminin, et on l'écrit S-O-R-T-I-E, d'accord ? Une sortie, une sortie. On continue avec la deuxième chose. Au cours de cette sortie en mer sur la côte normande, il est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Au cours de cette sortie en mer sur la côte normande, il est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alors, trois choses à trouver. La première chose, c'était court, hein. Au cours, qui est synonyme de pendant, hein. Et alors, faites attention, court, hein, on va vraiment l'écrire, C-O-U-R-S. Donc, S final qu'on ne prononce pas, mais il doit être là, d'accord ? Donc, au cours, C-O-U-R-S. La deuxième chose, en fait, c'était normande. Alors, normande, c'est l'adjectif qui fait référence à la région, la Normandie. Donc ici, souvenez-vous, c'est un adjectif, donc pas de majuscule. D'accord ? Donc normande, le N minuscule. Et puis comme côte, c'est féminin, la côte, l'adjectif doit être au féminin normande. D'accord ? Donc N-O-R-M-A-N-D-E. D'accord ? Donc c'est l'adjectif la côte normande. Et puis la dernière chose, la troisième chose, eh bien c'est un adverbe. L'adverbe c'est héroïquement. Donc ça fait, c'est toujours la même chose pour la construction. La construction c'est, alors Morteza pose la question héroïquement. Oui, on va prendre les choses simplement, Morteza. Si vous connaissez le mot un héros, vous connaissez les super-héros. Mon fils veut regarder les super-héros de Marvel actuellement. Donc, un héros. L'adjectif, c'est héroïque. Féminin héroïque, même forme, plus ment, héroïquement. Héroïquement, c'est digne d'un héros. C'est-à-dire qu'il a été sauvé par David, et David, quand il l'a sauvé, s'est comporté comme un héros. La petite particularité ici, c'est le tréma sur le i. Et c'est pour ça que vous prononcez héroïquement. Hein? Le tréma sur le i vous fait une sorte de division entre le o et le i. Vous ne prononcez pas wa, mais le tréma va diviser. O, i. Héroïquement.
D'accord, c'est la fonction en général du tréma quand vous avez des compositions de lettres comme ça. Troisième chose, on y va. Alexis en est sûr. Il vient de rencontrer l'ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus longtemps que cet été 85? Alexis en est sûr. Il vient de rencontrer l'ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus longtemps que cet été 85? Alors ici, on est à la recherche de trois choses, comme d'habitude. La première chose, c'est « sûr ». Donc ici, c'est un adjectif. Alors c'est un adjectif que, premièrement, nous devons mettre au masculin. Puisque Alexis est masculin, on va l'écrire au masculin, et donc c'est « s-u-r ». Et là, je pense que Yossi va être content, puisque là, Yossi... C'est très important de mettre le circonflexe sur le U, parce que même si on ne prononce pas le circonflexe, c'est la seule possibilité pour faire la distinction entre cet adjectif sur et la préposition sur la table, sur la chaise, etc. Donc ici l'accent circonflexe est assez important. Si vous avez l'accent circonflexe sur votre clavier, idéalement, vous le mettez. L'autre chose, c'était un substantif et c'était rêve. Rêve, donc ici on le met au pluriel, là encore avec un magnifique accent circonflexe que l'on prononce, donc on doit le garder. Et puis le verbe durer finalement, qui est au futur simple, hein, durera, mais alors bien sûr on dit durera, hein, on n'insiste pas sur le E, et ça en général c'est comme ça avec ce type de verbe, donc durera, le rêve durera-t-il? Allez, si vous êtes courageux, et je pense que vous êtes courageux, vous allez lire avec moi les trois phrases. Première chose. C'est l'été des 16 ans du jeune Alexis. Il décide de faire une sortie en mer. Deuxième chose, au cours de cette sortie en mer sur la côte normande, il est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Troisième chose, Alexis en est sûr. Il vient de rencontrer l'ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus longtemps que cet été 85? Et c'est le portrait chinois. Et en même temps, en faisant ça, je réalise une chose, c'est que je réalise que
Le vin mousseux évite les problèmes techniques. Après, je ne sais pas exactement quelle constatation on doit prendre de ça avec ça, mais bon. Allez, le portrait chinois. Si j'étais un pays, je serais parce que. Comme d'habitude, choisissez un pays, expliquez-moi pourquoi vous voudriez être ce pays. Allez-y, une petite minute. Alors, Béatrice Christianet qui demande c'est quoi le portrait chinois? C'est un petit peu cet exercice. Si j'étais quelque chose, je serais. C'est systématiquement comme ça. Si j'étais un objet, si j'étais un mot, si j'étais une couleur, etc., etc. Alors, c'est Kitol qui commence, et bien sûr, ça je le savais, hein. Si j'étais un pays, je serais l'Argentine, parce que c'est l'endroit des rois du foot, et ça c'est vrai. Et ça c'est vrai, c'est difficile de faire mieux que l'Argentine dans ce domaine. Je ne suis pas un spécialiste du foot, mais je sais que l'Argentine, c'est la mine d'or du foot. Morteza. Qui nous dit « Si j'étais un pays, je serais l'Afghanistan parce que chaque personne aime son pays ». Et bien sûr, c'est important d'aimer son pays. Youssara Carla, « Si j'étais un pays, je serais le Brésil parce que c'est mon pays et je l'aime ». Très bien. Alors attendez, Fancy Skater, « Si j'étais un pays, je serais Mars ». Mais c'est pas un pays. Ah, peut-être. C'est une planète, en tout cas. C'est une planète. Danubio qui nous dit, si j'étais un pays, je serais le Canada parce que j'adore les Québécois. Et c'est vrai que les Québécois sont tellement, tellement sympathiques. Vraiment sympa. J'ai un collègue qui est Québécois qui est vraiment très sympa. Yossi, si j'étais un pays, je serais l'Autriche parce que c'est un pays très beau en été et en hiver. Si j'étais un pays, je serais l'Arctique parce qu'il va disparaître. Il existe et il n'existe pas en même temps. Yesero, si j'étais un pays, je serais la Suisse parce que je peux manger des chocolats et regarder des jolies montres et marcher dans les montagnes. En même temps, Yesero, il fait tout en même temps. Il mange des chocolats, regarde des jolies montres et marche dans les montagnes. Un homme incroyable, Yesero. Souria, si j'étais un pays, je serais l'Indonésie parce qu'elle est il y a beaucoup de cultures et elle est très tolérante. Très bien. Ensuite, si j'étais un pays, Souria, qui nous dit, je serais l'Indonésie. Ah ben non, oui, c'est ce que vous avez dit, Souria, excusez-moi. Ridi, si j'étais un pays, je serais la France parce qu'il y a un beau pays et fameux pour sa mode, ses fromages et ses monuments. Les fromages, on en a parlé et on va continuer d'en parler, ça c'est clair. Daria, si j'étais un pays, je serais l'Ukraine car elle est très belle, riche en ressources et pacifique. Ritem, si j'étais un pays, je serais le Japon parce que j'aime la culture japonaise et les animés. Le Japon est un pays où on trouve de magnifiques vues. Très bien. Ensuite, je regarde. Alors, attendez, parce que c'est pas facile, ça va très vite. Où est-ce que j'étais? Alors, comment ça? Qui est-ce que... Pourquoi? Yossi, vous avez mis un virus? Non!
pas de virus. Alors, Ritem, si j'étais un pays, donc ça c'était fait. Béatrice, si j'étais un pays, je serais la Roumanie, parce que je suis née ici, je suis roumaine et c'est mon origine. Et encore une fois, c'est bien d'être fier de son pays. Mais pourquoi Yossi, vous parlez de virus? Qu'est-ce qui se passe, Yossi? On parlait de pays. Rajni, je serais le même pays que l'Inde, parce que j'adore mon pays, la culture et ses traditions. Très bien. Ensuite, Ice Cube, si j'étais un pays, je serais le Brésil, parce que c'est un grand pays avec une belle nature et les océans et l'Amazonie, effectivement, qui est magnifique. Sundar, si j'étais un pays, je serais le Népal, parce que le Népal est un beau pays dans le monde. Il y a beaucoup de montagnes, de forêts, l'eau et donc d'autres choses qui sont magnifiques, mais le gouvernement est mal. Ok, pas de politique, Sundar. Pitié, je ne veux pas de problème. Bikert, si j'étais un pays, je serais la Turquie et Istanbul, parce que j'aime beaucoup mon pays, je suis très heureuse. Mon pays est historique et magnifique. La nature, le repas, etc. sont magnifiques. Bah, très bien. I just called, si j'étais un pays, je serais tous les pays, parce que tous les pays ont leur propre beauté. Oh, ben ça c'est sympathique. Sapna, si j'étais un pays, je serais l'Inde. Parce qu'ici, nous pouvons voir différentes cultures de gens et castes, et on compare d'autres pays. Et je pense que nous sommes célèbres pour différents aspects. Victoria, je ne peux en choisir un, mais si j'étais un pays, je serais Haïti. Ma famille est de là-bas, et c'est vraiment un endroit magnifique. Oui, oui, oui. Et en plus, à Haïti, on parle un petit peu français quand même, hein. Donc, c'est important de parler français quand on veut avoir des origines à Haïti. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour le café. Victoria m'a offert un café. C'est très gentil. Je prendrai un café latte en pensant à vous. Iris, si j'étais un pays, je serais le Japon parce que j'adore la cuisine japonaise. Omar, si j'étais un pays, je serais la Colombie. C'est un pays magnifique sans politiciens. Allez, pas de politique. Asia, si j'étais un pays, je serais les États-Unis parce que c'est très beau là-bas. Victoria Posse, si j'étais un pays, je serais la France parce que j'aime tout le pays. Donc tout ce pays depuis que je suis enfant et je suis déjà une personne âgée. Ah ben oui, mais c'est pas grave. On a l'âge qu'on a et c'est beau. Daniel qui nous dit, si j'étais un pays, je serais les Maldives parce que la mer là-bas a une couleur bleue magnifique. Mais il faut aller rapidement, Daniel, parce que les Maldives vont bientôt disparaître, hein. C'est un petit peu terrible ce qui se passe là-bas. Barty, si j'étais un pays, je serais le Bhoutan parce que c'est un pays qui se considère comme le plus heureux du monde, même s'ils ne sont pas très, très riche. Ah ben écoutez, merci beaucoup pour toutes ces belles choses que vous m'avez écrites. Et nous continuons avec le cinéma, avec une comédie. C'est une comédie, vous voyez à l'affiche que c'est une comédie très très légère, un petit peu comme une comédie à la française. Allez, on va vous la présenter en trois points. Et la première chose, eh bien, la voici. Ben est toujours aussi amoureux de sa femme après 5 ans de mariage. Mais un jour, il découvre en public que sa femme le trompe. Ben est toujours aussi amoureux de sa femme après 5 ans de mariage. Mais un jour, il découvre en public que sa femme le trompe.
Alors regardez, trois choses à trouver. La première chose, eh bien, c'est un adjectif. Faites attention pour l'adjectif amoureux. Et on l'écrit vraiment A-M-O-U. Hein, n'oubliez pas le U après le O. Amoureux. D'accord? En fait, c'est comme amour, hein, vous savez, le substantif. Amour, M-A-M-O-U-R. Donc amoureux. Donc ici, on le met au masculin parce que Ben est un homme. Si c'était le féminin, ce serait amoureuse, E-U-S-E. D'accord? Ensuite, c'était 5, 5 ans. Donc je ne sais pas, Victoria Posa a mis 50, très généreuse. Souria, 50 aussi. Iris, 50 aussi. Bickert, 50. Ah non, c'est juste 5. Irène, 50 aussi. Ah, c'est juste 5, hein. Bah, ils sont jeunes sur la photo. Et puis, la dernière chose, c'était un verbe régulier du premier groupe. C'est le verbe tromper. Et donc, ici, sa femme, donc c'est le sujet, hein, trompe Ben, et donc à la place de Ben, on met le pronom complément d'objet direct, le. Sa femme, donc troisième personne. Kittle, Kittle qui dit, vous avez dit 50. Ah bon? Je commence à avoir un doute maintenant. C'est possible. 5 ans. Non, j'ai dit 5 ans. Ah oui, Kittle, Kittle. J'ai pas dit 50. J'ai dit 5 ans. 5 ans. Ça, c'est intéressant d'ailleurs. 5 ans, ça n'est pas 50. Sinon, j'aurais dit, Kittle, Kittle, 50 ans. 50 ans. Mais là, j'avais dit 5 ans. Alors, finissons avec le verbe tromper, qui est un verbe régulier. Et donc, ici, c'est la troisième personne du singulier. Trompe, T-R-O. M-P-E. Allez, on continue joyeusement avec la deuxième chose. Il est humilié et sa femme le quitte. Abattu et lâché par ses proches, Ben a du mal à remonter la pente. Il est humilié et sa femme le quitte. Abattu et lâché par ses proches, Ben a du mal à remonter la pente. Alors là, je dois dire que Cosmina Bellou, elle est quand même très efficace puisque c'est la première presque à chaque fois. Donc regardons ensemble. On avait ici trois choses. La première chose, c'est un adjectif. L'adjectif, c'est humilié. Humilié, donc on doit le laisser au masculin, on est d'accord, puisque c'est il. Hein. Donc HUMILIE. Accent aigu, humilié. Si c'était le féminin, on rajouterait un E, on ne prononcerait pas le E, mais ici, c'est le masculin. Deuxième chose, c'était proche. Alors, proche, ça c'est assez intéressant parce que c'est aussi un adjectif, mais on peut l'utiliser comme un substantif. Un proche, c'est une personne qui est proche de vous. D'accord? De la famille, un ami, une personne qui est proche de vous. Donc on l'utilise comme substantif, donc un proche, une proche, et donc ici on l'utilise au pluriel, des proches, ses proches. On l'écrit Proches. Et la dernière chose, c'était mal. Bon, bah écoutez, ça c'est un adverbe, et je regarde ce que vous avez écrit, c'est très bien écrit, donc c'est M-A-L, et là il n'y a pas de problème. On continue et on regarde la troisième chose pour ce film. Un jour, il croise le chemin de Patrick, un ancien ami, lui aussi divorcé,
qui lui propose d'emménager chez lui. Un jour, il croise le chemin de Patrick, un ancien ami, lui aussi divorcé, qui lui propose d'emménager chez lui. Alors, regardons ensemble les trois choses qu'il fallait écrire. La première chose, eh bien, c'est le verbe croiser. Verbe croiser, verbe extrêmement régulier du premier groupe. Donc là, on le conjugue à la troisième personne du singulier. Il croise, C-R-O-I-S-E. Ensuite, c'était un substantif, puisque c'est un divorcé ici, il est divorcé aussi, ou alors c'est plutôt un adjectif ici, mais on pourrait l'utiliser comme substantif. Donc ici c'est plutôt comme adjectif, et donc c'est divorcé, E accent aigu, E, d'accord. Alors c'est intéressant parce que ces adjectifs-là sont également utilisés comme substantifs. Un divorcé, une divorcée, mais on peut aussi les utiliser comme adjectif. Il est divorcé, elle est divorcée. En tout cas, souvenez-vous que on va, puisque ici c'est le masculin, l'écrire C-E accent aigu. Et puis le dernier verbe qui est intéressant, Ritem pose la question, c'est le verbe emménager. Emménager, alors là vous voyez qu'il y a deux M, faites attention, ça c'est en général un petit peu la difficulté, c'est pour ça qu'on prononce en, le en c'est vraiment la nasale EM, ménager. Emménager, qu'est-ce que ça veut dire? Emménager, ça veut dire s'installer dans un appartement ou dans une maison. Déménager, c'est partir d'un appartement ou d'une maison. D'accord ? Donc, il y a vraiment le ménager qui va être la chose commune, mais emménager, s'installer, déménager, partir d'un appartement ou d'une maison. Ici, c'est emménager, c'est-à-dire il lui propose de s'installer chez lui. Allez, s'il vous plaît, lecture de ces trois choses avec moi, s'il vous plaît. Première chose. Ben est toujours aussi amoureux de sa femme après 5 ans de mariage. Mais un jour, il découvre en public que sa femme le trompe. Deuxième chose, il est humilié et sa femme le quitte. Abattu et lâché par ses proches, Ben a du mal à remonter la pente. Troisième chose, un jour, il croise le chemin de Patrick. Un ancien ami, lui aussi divorcé, qui lui propose d'emménager chez lui.
Et nous continuons avec le portrait chinois. Si j'étais un plat, et là nous parlons bien sûr de ce que nous aimons, c'est-à-dire la gastronomie, la cuisine. Si vous étiez un plat, quel plat seriez-vous? Et surtout, pour quelle raison? Pourquoi vous seriez ce plat? Allez, prenez une petite minute et écrivez-moi une belle phrase. Alors, c'est Souria qui, en premier, nous dit « Si j'étais un plat, je serais un kebab parce que c'est délicieux. » Souria, le kebab, c'est le plat préféré de mon fils. Et c'est vrai, un kebab, c'est délicieux. Morteza qui nous dit « Si j'étais un plat, je serais un escargot. » Oh mais non, Morteza, pas juste un. Alors en général, traditionnellement, Morteza, c'est une douzaine d'escargots. Idéalement, 12 escargots, c'est pas mal. 6, c'est possible, mais 12, c'est beaucoup mieux. Kittle Gittle, si j'étais un plat, je serais un cheesecake parce que c'est trop élégant et sympathique de le prendre avec mon petit café. Et c'est vrai qu'un cheesecake, c'est pas mal avec un café, oui. Yesero, si j'étais un plat, je serais de la soupe parce que je n'ai pas de substance. Mais non ! Pourquoi vous dites ça, Yesero ? Mais bien sûr. Yesero, la soupe fait partie des choses que je préfère. Une bonne soupe, c'est incroyable, Yesero. On garde un souvenir d'une bonne soupe à vie. Ridi, si j'étais un plat, je serais un plat italien parce que j'adore les pâtes et la pizza, c'est appétissant. Et ça, c'est vrai. Victoria Possé, si j'étais un plat, je serais le gratin dauphinois. Depuis que je l'ai découvert, c'est mon plat préféré. C'est incroyable. Ah, le gratin dauphinois, ma mère fait un gratin dauphinois incroyable. Rania, si j'étais un plat, je serais une pizza parce que ma sœur l'aime beaucoup. Ça, c'est très sympathique, Rania. Yossi, si j'étais un plat, je serais un poisson de mer. Très bien. Cosmina Bellou, si j'étais un plat, je serais une salade niçoise parce qu'elle est facile à faire, nourrissante et joli peut-être. Sapna, si j'étais un plat, je serais dosa. Il est très connu au nord de l'Inde et je l'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que c'est dosa. Qu'est-ce que c'est dosa? Alors ça m'intéresse maintenant. Ensuite, Yulia, si j'étais un plat, je serais le sushi parce qu'il y en a beaucoup. Ça, c'est vrai. Andrea, si j'étais un plat, je serais une pizza parce que c'est mon plat préféré. C'est vrai que la pizza, c'est formidable. Daria, si j'étais un plat, je serais Olivier, une salade russe, parce que c'est un plat traditionnel en Ukraine et en Russie. Très bien. Victoria Jacques, si j'étais un plat, je serais des lasagnes, parce que c'est mon plat préféré, surtout quand vous l'avez le deuxième jour. Oui, c'est ça, les lasagnes. Bon, c'est bon le premier jour, mais le deuxième jour, c'est encore meilleur. Bicut, si j'étais un plat. Alors attendez, parce que Monica me fait peur, je la désactive pour qu'elle se calme un petit peu, parce que tout à l'heure elle était très active. Si j'étais un plat, je serais les pâtes fettuccine parce que c'est formidable. J'adore la cuisine italienne et c'est vrai que la cuisine italienne est délicieuse. Ritem, si j'étais un plat, je serais un gâteau. Parce que comme les gâteaux sont importants dans la boum, je voudrais y aller et c'est très délicieux.
D'accord. Lady, si j'étais un plat... Ah, ça, je ne suis pas sûr. C'est pas très, très clair. Oh non, il y a encore quelqu'un qui écrit. C'est incroyable. Les gens sont incroyables. Je ne sais pas pourquoi ils cliquent comme ça. C'est fou, hein. Allez, continuons. L'aventure des Marguerites. Alors ça, c'est intéressant. Regardons ensemble ce film, et surtout avec les trois points de présentation de ce film. Marguerite et Margot ont toutes les deux 12 ans, avec chacune sa famille, ses copains et ses problèmes. Marguerite et Margot ont toutes les deux 12 ans, avec chacune sa famille, ses copains et ses problèmes. Alors regardons ici, ben, la première chose c'était toutes. Je regarde ce que vous m'écrivez. Alors c'est bien, c'est vraiment bien, parce qu'ici donc l'idée, puisque toutes fait référence à les deux, mais alors effectivement c'est lié à Marguerite et Margot. Donc ça veut dire qu'en fait c'est un féminin pluriel. Donc on va devoir marquer le féminin pluriel. Donc la base, c'est tout, T-O-U-T. Hein, la base, c'est le masculin singulier. Ensuite, on va mettre le féminin. Toutes, avec un E à la fin. Et puis on met le pluriel, avec le S. Toutes, T-O-U-T-E-S. Donc ici, on obtient toutes les deux, donc le féminin pluriel. Ensuite, c'était un substantif et c'est famille. Alors famille, vous voyez ici qu'on a le possessif devant. Sa famille. D'accord ? Famille, ici on l'écrit F-A-M-I-L-L-E. En général, vous l'écrivez bien, il n'y a pas de problème dans ce que je vois. Et puis la dernière chose, c'était encore une fois un nom, un substantif, et c'est problème. Ici, nous sommes d'accord que, comme nous avons c'est, on doit le mettre au pluriel. Accent grave sur le premier E, problème. D'accord ? Donc, accent grave sur le premier E, et puis un S, bien sûr, à la fin de problème. Regardons la deuxième chose. Lune vit en 1942 et l'autre en 2018. Une malle magique va les transporter chacune dans l'époque de l'autre. L'une vit en 1942 et l'autre en 2018, une malle magique va les transporter chacune dans l'époque de l'autre. Ah,
Alors, trois choses comme d'habitude. La première chose, eh bien, c'était le verbe vivre, qui est un verbe du troisième groupe, que nous allons conjuguer ici, bien sûr, à la troisième personne du singulier. Attention, je vis, V-I-S. Tu vis, V-I-S. Il, elle vit, V-I-T. D'accord ? Donc là, c'est ce qui nous intéresse, c'est la troisième personne du singulier, vit. V-I-T. Ensuite, c'était une année. L'année, je regarde, eh bien, c'est formidable, c'est 1942. Et là, Kittle, il ne va pas me dire quelque chose. Je l'ai bien prononcé. Donc, 1942, vous l'avez bien écrit, donc félicitations. Et puis, la dernière chose, c'est un verbe, et c'est le verbe transporter. Et donc là, vous voyez qu'il arrive en deuxième position après le verbe aller, c'est-à-dire va. Hein. Ici, vous savez, c'est le futur proche. Une malle magique va. Donc ça, c'est le verbe aller qu'on a conjugué au présent. Et après, vous avez automatiquement l'infinitif, hein, transporter. Donc transporter, il doit être à l'infinitif, c'est-à-dire er à la fin, parce que finalement, c'est le deuxième verbe juste après le verbe aller qui est conjugué. D'accord ? Donc transporter, transporter. Allez, troisième chose concernant ce film. Elles se lancent toutes les deux dans une aventure pour retrouver leur présent en explorant la mémoire de leur famille. Elles se lancent toutes les deux dans une aventure pour retrouver leur présent en explorant la mémoire de leur famille. Alors, nous regardons Ice Cube qui dit qu'elle voudrait prononcer comme moi. Bah oui, mais je suis français. Ice Cube, je n'ai aucun mérite à bien prononcer en français parce que c'est ma langue maternelle. Alors, et je pense que vous prononcez bien. Allez, regardons ensemble trois choses. Alors, la première chose, c'est un verbe régulier. Et c'est le verbe « se lancer ». Et « se lancer », en fait, vous l'écrivez « L-A-N-C-E-R ». Et ici, vous voyez clairement que vous le conjuguez tout simplement à la troisième personne du pluriel. « Elle se lance ». Alors, on ne prononce pas le « E-N-T » comme d'habitude, hein, mais on écrit « L-A-N-C-E-N-T ». D'accord. Et puis ensuite, deuxième chose, verbe régulier, puis verbe à l'infinitif, hein, puisqu'il arrive juste après votre préposition pour. Retrouver, écoutez, R-E-T-R-O-U-V-E-R. Retrouver. Et puis la dernière chose, c'était un substantif. Le substantif, c'était famille. Alors vous voyez ici que leur est avec un S à la fin. Donc ça veut dire qu'automatiquement le mot qui arrive après doit être au pluriel. D'accord ? Souvenez-vous, hein, les adjectifs possessifs sont
en fonction du mot qu'ils avec lesquels ils sont connectés. Donc ça veut dire que automatiquement, si vous avez un pluriel, ici leur, avec un S, le mot qui arrive après doit être au pluriel, et c'était famille au pluriel, F-A-M-I-L-L-E-S. Allez, soyons courageux et lisons ensemble ces trois choses. Souvenez-vous, c'est important de lire parce que les études prouvent qu'on se souvient mieux des choses si on lit à voix haute. Première chose. Marguerite et Margot ont toutes les deux 12 ans, avec chacune sa famille, ses copains et ses problèmes. Deuxième chose. L'une vit en 1942 et l'autre en 2018. Une malle magique va les transporter chacune dans l'époque de l'autre. Troisième chose. Elles se lancent toutes les deux dans une aventure pour retrouver leur présent en explorant la mémoire de leur famille. Alors, c'est le portrait chinois. Ce sera le dernier pour aujourd'hui. Portrait chinois. Si j'étais une boisson. Donc, une boisson, c'est quelque chose que vous buvez. Nous sommes d'accord. Si j'étais une boisson, je serais parce que. Donc, comme d'habitude, vous allez me dire quelle boisson vous seriez. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est pourquoi, c'est-à-dire comment vous argumentez le fait que vous soyez tel ou telle boisson. Alors, il y a Rania qui pose « Donnez-moi des titres de films français ». Rania, ça fait à peu près 50 émissions que je propose à chaque fois un film ou même une série. Et là, ça fait, je crois, 4 émissions que je ne fais que proposer des films français. Donc vous regardez les dernières émissions et vous aurez au minimum une vingtaine. Et puis après, vous élargissez, vous aurez beaucoup de films français récents à regarder. Eh bien, regardez, c'est Kittle qui nous dit « Si j'étais... » Non ! Kittle qui s'est trompé. Et ça, c'est une erreur qui est assez classique. Kittle, c'est pas grave. Faites attention, une boisson avec un B, c'est quelque chose qu'on boit. Un poisson, c'est quelque chose qui est dans la mer, ou dans une rivière, ou dans un lac. D'accord ? Donc c'est vraiment ici, c'est une boisson avec un B et c'est quelque chose que l'on boit. Donc s'il vous plaît, Kittle, faites-moi une deuxième proposition. Et vous êtes très courageux, donc merci beaucoup en tout cas. Esthétique qui nous dit « Je serai l'eau parce que c'est simple mais important ». Et ça, c'est vrai. Ritem qui nous dit « Si j'étais une boisson ». Je serais la vodka.
parce que j'aime boire la vodka, on devient très énergique et je suis aussi très, très énergique. Très bien. Rania qui nous dit, je serai un café puisque mon papa passe tout son temps en buvant du café. Est-ce qu'il boit du café noir, du café au lait, du café... ça serait intéressant de savoir, Rania. Quel café est-ce qu'il boit, votre papa ? Yesero qui nous dit, si j'étais une boisson, je serais de l'eau, parce que c'est essentiel et clair. Et ça, c'est vrai. Bicot, je serais le café turc, parce que j'adore le café et j'en bois toujours. Victoria Posse, je serais une boisson. Je serai de l'eau pour faire mon café. Très bien. I just called, si j'étais une boisson, je serais de l'eau parce que personne ne peut vivre sans eau. Eh ben, c'est vrai. Yossi qui nous dit, si j'étais une boisson, je serais, alors attendez, de l'eau minérale parce que c'est bon pour la santé. Rajni, si j'étais une boisson, je serais un lassi. C'est une boisson indienne parce que ça me rend très cool à l'intérieur, d'accord. Daria, je serai de thé, parce que c'est ma boisson préférée. Je l'adore et je ne peux pas imaginer ma vie sans thé. Ah oui, mais Daria, thé noir, thé vert ou thé blanc, c'est pas les mêmes. Ice Cube, si j'étais une boisson, je serais de l'eau, c'est la base. Sans eau, il n'y a aucune vie. Et là, c'est clair. Save the best. Si j'étais une boisson, je serais du jus d'orange parce qu'il est utile. c'est pour la vitamine C, pour l'énergie. Et je comprends. Yulia, si j'étais une boisson, je serais du vin mousseux parce qu'il chatouille la langue. Et ça, c'est vrai. Souria, si j'étais une boisson, je serais du lait parce que j'adore le lait. Et c'est vrai que ça peut être bon, le lait. Ça dépend des cultures. En France, et ça c'est intéressant, traditionnellement, on ne boit pas vraiment du lait à table, vous savez, quand vous mangez. C'est très très rare de boire du lait. Dans d'autres pays, c'est habituel, mais bon, c'est vrai qu'en France, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Sapna, si j'étais une boisson, je serais de l'eau, parce que l'eau est très importante pour la vie, c'est vrai. Béatrice Christiana, si j'étais une boisson, je serais une limonade, parce que c'est revigorant, plus ou moins sucré, avec un E final, parce que c'est une limonade, et idéal avec un E final, puisque c'est limonade pour prendre en terrasse, c'est vrai. Berilla 71, si j'étais une boisson, je serais un café, parce que ça me réveille. Ou ça me garde éveillé. Kittle, Kittle, si j'étais une boisson, je serais la bière, parce que c'est cool de boire de la bière avec des hommes, des amis, quand il y a des pizzas au saumon. Oh, alors ça, c'est intéressant, Kittle, Kittle. Il faudra qu'on discute de la recette de la pizza au saumon. Est-ce que c'est avec un peu de crème ou pas de crème? Ça, c'est, il y a différentes variations. Cosmina, si j'étais une boisson, je serais du vin rouge, ou du vin blanc, ou du vin rosé produit par ma famille, parce que mon vignoble a des raisins nobles. Et vous auriez dû mettre en majuscule noble, même si c'est un adjectif. Là, il faut mettre une majuscule. Et le vin est naturel, sans aucun produit chimique. Mélissa, si j'étais une boisson, je serais une citronnade, parce que je suis très simple et j'aime la chaleur. Barty qui nous dit, si j'étais une boisson, je serais une limonade aussi, parce que c'est très bon et j'aime pendant l'été. Indrani qui nous dit, je serais de l'eau parce que c'est la vie. C'est vrai. Victoria Jacques, tout le monde sait que si... C'est vrai, hein. Moi je le savais. Que si j'étais une boisson, je serais du vin, parce que c'est tellement savoureux. Mais là, sur votre icône... C'est du vin rouge, et ça, il faut discuter de la couleur du vin, parce que c'est pas la même. Est-ce que c'est du vin rouge, est-ce que c'est du vin blanc, du vin rosé, ou du mousseux, ou éventuellement du champagne. Sushmita, si j'étais une boisson, je serais du thé noir, parce que j'aime la couleur noire. Et puis Iris qui nous dit, si j'étais une boisson, je serais la bière, parce que ce n'est pas cher. Eh bien, effectivement. Béatrice Christiana, j'ai cru qu'on doit utiliser le masculin. Après, c'est... oui, mais je ne vois pas exactement... Oui, est-ce que j'ai fait une...
C'est revigorant. Oui, c'était bien, non? Est-ce que j'ai fait une... Excusez-moi si j'ai corrigé, alors que... Normalement, c'est, oui, Béatrice Christiana, c'est est suivi d'un adjectif automatiquement au masculin. Donc Béatrice qui nous réécrit. Voilà encore mon exemple. Si j'étais une boisson, je serais une limonade parce que c'est revigorant, plus ou moins... Oui, ah, ok. Plus ou moins sucré, continue sur le c'est. D'accord, très bien. Béatrice Christiana, on pourrait supposer que votre virgule sépare et donc votre plus ou moins sucré est en référence à boisson. C'est-à-dire que ça pourrait être négociable si on faisait la correction. En mettant la virgule, vous effectivement faites une sorte de déconnexion, mais on peut imaginer que le plus ou moins sucré fait référence directement à boisson. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, Victoria Jacques nous dit du vin blanc. Bon, très bien, ben, je crois que c'est clair pour tout le monde. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Learn today, learn for free, learn your way. Learn French with Vincent, let's go. The best French teacher on the low. Learn French, learn today. Learn for free, learn your way. Learn French with Vincent, let's go. The best French teacher on the low. Learning French is simple and free. Learn French with Vincent, A to Z. Alors voilà, c'était la centième, ça veut dire que je vais faire une petite pause de quelques jours. Et donc normalement, nous allons recommencer à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire de lundi. Mais je vais changer un petit peu de formule, c'est-à-dire que je vais essayer d'arranger ça pour que tous les niveaux puissent être satisfaits. Donc pour l'instant, je ne suis pas sûr, mais probablement le lundi, ce sera à 1. Le mardi A2, le mercredi B1, le jeudi B2 et probablement le vendredi pour tout le monde. Mais bon, je ne sais pas encore vraiment. J'ai juste besoin de prendre quelques jours de pause et puis après, nous allons continuer joyeusement. Merci en tout cas, c'était vraiment, vraiment très, très sympathique. Au revoir. Ah, pour votre information, ça c'est ma fille qui chante. Alla maailma, jonne et tahdo palata. Suurin ongelma on, ettei ole ongelmaa. Tarpeeksi soha, joka alleen sinut musertaa. Me kylisen reunan ja asetut roikkumaan niin. Et ainoa mitä tehdä pitää, on pitää kiinni. Ainoa mitä tehdä pitää, on pitää kiinni.